Bonjour, Jacques Ibraille, présidente du comité de randonnée pédestre de la Haute-Vienne depuis 2 ans. La marche aquatique est accessible à tous. Elle aide au renforcement musculaire, à la circulation sanguine. Elle est excellente pour les articulations puisqu'il n'y a pas de traumatisme dans l'eau. Elle se pratique entre le nombril et les aisselles, donc il n'y a pas besoin de savoir nager. Pour encadrer cette pratique, nous avons des animateurs qui sont formés par la Fédération française de randonnée pédestre. Le site de Saint-Pardoux a été validé l'an dernier et nous avons 2 autres sites qui sont en cours de validation actuellement. J'ai découvert la marche aquatique lors d'un séjour en vacances au bord de mer. Donc j'avais bien aimé. Ça me permet de garder la forme à moindre coût. Je le conseille à toutes mes amies, c'est très sympa et très ludique. On m'a proposé de découvrir cette marche aquatique et les bénévoles se sont formés et puis maintenant ils peuvent accueillir et faire partager cette activité. Après, l'ambiance est chouette parce que chacun découvre, c'est quand même relativement nouveau comme sport et on sent que les gens sont heureux d'être là, de participer, donc bonheur.